OK, rebonjour. On est maintenant mercredi. On est toujours, dans le fond, dans le rapatriement de la Constitution. Et là, dans le fond, c'est de se poser la question, oui, mais vraiment, quelles ont été les conséquences pour le Québec? On sait que le Québec n'a pas signé la Constitution de 1982, mais dans les faits, qu'est-ce que ça change au final? OK? Je vous dirais que y a des éléments légaux de la Constitution qui vraiment, dans le fond, fait en sorte qu'il y a des pertes de pouvoir au Québec, mais il y a aussi des éléments un peu plus philosophiques, un peu plus symboliques également. Alors commençons par ceux qui sont légaux. Le Québec, jusqu'en 1982, on en a parlé, avait un droit de veto pour modifier la Constitution, ou plutôt pour bloquer le passage de nouvelles modifications constitutionnelles. À partir de 1982, le Québec perd ce droit de veto-là. C'est remplacé par une formule où, s'il y a de nouvelles modifications, il faut avoir l'unanimité des provinces. Alors, c'est comme si le Québec, auparavant, avait un droit de veto de même que trois autres régions du Canada, l'Ontario, l'Atlantique, l'Ouest canadien. Dorénavant, si on est pour remodifier la Constitution, ça prend l'unanimité. Et dans ce sens-là, c'est particulier, parce que c'est comme si on imposait quelque chose au Québec et par la suite, on dit « oui, mais là, la Constitution, elle est cadenassée d'une certaine façon. Si on est pour la rechanger à nouveau, notamment pour répondre aux aspirations du Québec, eh bien là, il va falloir qu'on soit tous unis, il va falloir qu'on ait l'assentiment de l'ensemble des provinces. C'est un standard qui est beaucoup plus élevé que celui avec lequel Trudeau a eu à composer pour passer sa Constitution de 1982. C'est la raison notamment pour laquelle Trudeau va dire « ma Constitution sera là pour les 1000 prochaines années ». Et c'est normal qu'une Constitution, on ne change pas ça à tous les deux ans. C'est censé être un document fondateur, un document également qui est presque immuable au fil du temps. Sauf que là, vraiment, la Constitution canadienne, dans un avenir, disons, à moyen et à long terme, ça va être très, très, très difficile de la modifier. Ça a déjà été tenté dans les années 80 et 90. On en parlera avec l'accord du lac Meech, on en parlera avec Charlottetown également. Et vraiment, ça n'a pas été un succès parce que, notamment, il y a des provinces qui se sont désistées ou ont changé d'avis. Et dans ce sens-là, vraiment, je reprends le terme, la Constitution canadienne, elle est relativement cadenassée. Ça, c'est pour l'élément légal. Il y a d'autres éléments légaux. La Charte des droits et libertés, j'en ai déjà parlé, va à l'encontre de certains aspects de la loi 101. Et dans ce sens-là, c'est une perte d'autonomie, c'est une perte de pouvoir au niveau du Québec. Au niveau philosophique, au niveau symbolique, il y a aussi des changements importants. Jusqu'alors, on pouvait dire que beaucoup de Québécois s'identifiaient à la notion historique des deux peuples fondateurs. Donc, on pensait vraiment qu'il y avait deux principaux peuples qui avaient fondé le Canada. Évidemment, bon, on laissait de côté les Amérindiens, là. Il y a des lacunes à ce niveau-là, c'est sûr. Mais il y avait cette philosophie-là, vraiment, que à la fois les Canadiens français et les Canadiens anglais avaient participé à la fondation de ce pays-là, qui est le Canada. Je fais un petit aparté pour dire que Trudeau, depuis ses études universitaires, avait philosophiquement une crainte et même une détestation vis-à-vis du nationalisme. Pour lui, le nationalisme, c'était quelque chose qui pouvait, dans le fond, dévier jusqu'au mouvement d'extrême droite. Et pour lui, dans le fond, carrément, les mouvements nazis, entre autres, avaient à leur cœur, portaient en eux du nationalisme exacerbé. Et pour lui, dans le fond, il faut contrer ce nationalisme-là, notamment par un discours plus inclusif. Et donc, depuis 1971, le Canada commençait à mettre de l'avant une politique du multiculturalisme. C'est-à-dire qu'il ne reconnaît pas une culture en particulier,